Eh bien bonjour les Twitchos, bonjour les Twitchas, et bienvenue pour ce stream de qualité, en compagnie de votre streamer slash youtubeur préféré, le susnommé Marvin Schrödinger. Vous connaissez la musique, vous pouvez me suivre de part et d'autre d'internet via ce même pseudonyme, et ou des liens hypertextes se trouvant sur mes réseaux sociaux ou dans la description. On se retrouve ce soir donc pour reprendre un petit peu, hein, même un petit peu beaucoup, Assassin's Creed Odyssey. Surtout, je vais essayer de le terminer, là, parce que ça fait quand même un petit moment que je me le coltine, on va pas se mentir. J'ai 166 heures de jeu. Donc, putain, ça va faire des mois et des mois que je le fais, là. Je crois que quand j'ai repris le stream l'année dernière, là, en octobre, je crois que j'ai dû le commencer en novembre, peut-être. Novembre ou décembre, je sais pas. Donc, voilà. J'aimerais bien le terminer, ce serait pas mal. Alors, il est lancé, je vais vous mettre le live. Voilà, à la vôtre. Le bon coca pour les artères. C'est vrai, c'était un DLC ça. Je sais plus, c'est que rien. Je sais plus ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Alors, fais voir. Déjà, dans un premier temps, je veux juste voir un truc. Luminosité, d'accord. Ouais. 140, très bien. On va mettre un petit 120, allez, soyons fous. Soyons fous, je me sens d'humeur 120 Hz ce soir. Voilà. Ah, ouais. Très bien. Est-ce que je continue ça? Parce que, fais voir toutes les quêtes de merde. Ah oui, c'est les DLC, ça, c'est... Ouais, voilà. Tout Odyssée. Bah, Odyssée, c'est fini. Ah, mais non, il me manque ça. Regarde. Ah, mais oui, mais non, bah oui. Comment je fais pour sortir de là? Je vais retourner. Quête extension, c'est ce que je suis en train de faire là. Adonis. C'est le nom d'un restaurant de... à côté de chez moi. Très bon. Hey, Darmaniac. En slip, comme les Grecs. Non, non, j'ai mis un short aujourd'hui. Mais je t'avouerai que j'ai un peu chaud. Comment je sors d'ici déjà? Ah, mais oui, ça y est. Je crois que c'est ici, quelque part. Retour. Mais non. Ah, attends, c'est sur map. Sur carte, je veux dire. Toutes les photos. Oh! Portail, voilà, c'est ça. Moi, je suis où? Je suis à l'Elysée, je crois. Ah oui, il y avait cette île, mais ça je crois que je l'ai terminé. Je retourne en Grèce. Ça a été ta journée? Bah tranquille, ouais. Et toi, comment ça s'est passé? Tout va bien? Alors, ah, je réapparais ici donc. Bon, faut que je me remette dans le bain. Alors, tranquille, bon ben impeccable. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, j'ai tout ça à terminer. Enfin, j'ai trois à buter. Et elle est où? Mais attends, mais c'est pas la même. Regarde, quand tu la vois ici, tu cliques dessus. Je suis désolé, c'est pas la même. Comment faut que je. Aspasia. Fille du puissant Oxiochos de Milet, acquit pouvoir et richesse de la manière la plus improbable qui soit, en tombant amoureuse, d'accord? Mais même son ascendant sur Périclès et le cœur de tous les Athéniens ne suffirent pas à satisfaire son ambition. Elle voulait tout savoir, tout diriger, sinon à quoi bon vivre? Je sais pas, attends, fais voir parce que eux là. Indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs en Achaïa. C'est quand pour toi la fin? Comment ça, la fin du jeu? Bah là, je vais essayer de le finir. Alors peut-être pas ce soir, mais je vais essayer de le finir parce que c'est vrai que ça commence à bien faire. Une crique en Achaïa, c'est où l'Achaïa? C'est où Achaïa? Déjà, c'est au bord de la mer. Hein. Bon, c'est. En Ac. Ah, mais attends, est-ce que c'est une île? Est-ce que c'est.
Parce que plus on zoome, il y a des thèmes arrêts, des genre juste l'histoire ou histoire plus adepte. L'histoire, je l'ai terminée. Je sais même plus. Je crois pas. Je sais plus. Je crois. Ah, si, je l'ai terminée. Attends, attends. Ah, non, peut-être pas. Attends, peut-être pas. Audi... Non, 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 j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Déjà, faut que bah, je fasse ça en fait. Putain, je suis au niveau 76, t'es sérieux? En Akaya. C'est où Akaya? C'est où Akaya? Laconia. Je sais plus depuis le temps. Ouais, bah moi non plus. Non, mais. Non, non, je l'ai pas terminé. Parce que, attends, l'histoire principale, pour la terminer, il faut tuer, tuer tous les membres. Putain, il y a même des, il y a des quêtes encore là. Ah, putain. Il est interminable. Je suis à 166 heures de jeu. Il est interminable ce jeu. Regarde, il y a toujours des lieux à découvrir, des trucs à faire. Bon, je vais pas non plus. Bouge pas. Akaya, c'est où Akaya? Bordel de merde. Fais voir, je vais regarder sur internet. Ah, Akaya. Assassin's Creed. Odyssey. J'ai fermé ma fenêtre. Oui. En Akaya. Akaya. Solus. Je m'en fous de la Solus. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Je veux juste savoir où est-ce qu'il se trouve, bordel de merde. Ah. Ah. Attends. Ah putain, c'est là. Une crique en Akaya. Bah en fait, je crois que c'est ce que je suis en train de faire là. Emplacement de... Non, mais on s'en fout de l'Ostracon. Alors, c'est une crique en Akaya. Une crique. Tiens, ce serait pas ça. Une crique, c'est ça, une crique. C'est quand ça... Je sais pas. On va aller voir ça. On va se télécharger. C'est pour découvrir les... Pour découvrir les comment ça s'appelle les derniers indices pour dégommer tout le monde et terminer le jeu. Attends, je peux sauter par là? Eh ben, alors comment on appelle Ah, c'est complètement inversé. Ah oh, putain, j'ai ça moi. Avance. Merde, comment on fait pour suivre le chemin? Non. Parce que c'est pas les mêmes touches en plus avec Assassin's Creed Origins, nouvelle partie, puis on s'en fout. Ah si, je l'ai terminé le jeu. Mais c'était quoi la fin déjà? C'est quoi la fin du jeu? Parce qu'il me semble quand on termine, on a ça. Non, non, je m'en fous. Non, échappe. Option. Commande. Combat, interaction. Navire raccourci, aigle, caméra. Navire, combat, déplacement. Alors ça va être interaction, c'est pas dans... Siffler. D'accord, non. Combat, c'est sûrement pas ça. Ah, voilà. Suivre route cheval, voilà, c'est ça, c'est W. Y arriver. Parce que je veux bien. Attends, attends, parce qu'il y avait eux. Il y avait eux aussi. Ah, mais eux, ouais, bon, pas la peine, hein, je l'ai tué lui. C'est l'essentiel, quoi. Hein, on s'en fout. Je crois ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de savoir où elle se trouvait, elle. Poursuivre l'Odyssée. Ah bah oui, bah. Faut que je tue tout le monde. Faut que je tue tout le monde et après je pense qu'on saura où elle est. Et une fois que je l'aurai butée, elle, je pense que je l'arrête. Hein, parce que 166 heures de jeu, j'ai un petit peu fait le tour du jeu. Hein, même si je sais que je l'ai pas terminé à 100%.
Je pense qu'il y a un bon 200 heures de jeu pour le terminer à 100%. C'est... Voilà. Ah, on dirait qu'il a des froufrous aux pattes. Alors des... Je sais pas, des... Alors la crique. Perdu dans une crique, qu'est-ce que c'est dit? J'y suis. Putain, c'est la nuit là. Attends, attends, attends. Impossible sans être au sol. Mais je suis au sol. Voilà. On va mettre le jour. Ce sera bien mieux. Stop. Stop. Ah, mais putain, c'est la fin de la journée là. Tu me... Fais voir ça. Par le plus grand des hasards, est-ce qu'il serait pas ici? Comment on fait déjà? Ah oui, on peut faire ça. Ah oui, parce que hier je jouais à Assassin's Creed Origins. Les touches, c'est pas du tout les mêmes. C'est quoi une crique, bordel de merde? Parce qu'il me dit. Il me dit ce con. Un indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs. Ah, de la côte des pilleurs, pardon. En Akaya. En Akaya, la côte des pilleurs, c'est où ça? Ah, oh, putain, bah c'est là. Une crique. Ah, mais c'est ça. À tous les coups, c'est là-dedans. Oh, bah c'est bien. Viens là, Zébulon. Il est où? Attends, je vais le changer parce qu'il est moche. Zébulon. Inventaire. Cette texture-là. Non, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Ah! Voilà. Voilà. Merde. Par où qui me fait? Bah oui, c'était essentiel de. Ouais. Oh, bordel. Ah, d'accord. Bah, super. C'est bien, Zébulon, c'est bien. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens! Dans ta gueule! Tiens! Oh putain, mais j'ai l'épée qui pue, c'est vrai. L'épée qui empoisonne. Voilà. Je viens de me bouffer un tacos. Bon sang, je regrette. Ah, il est fastidieux celui-là. À chaque fois que je le prends, c'est quand j'ai les yeux plus gros que le ventre. Je me dis, ah, taco, ça va me suffire. Bah, c'est un peu trop. Attends, attends, attends. Ça va, ça va, ça va. Bah voilà, ouais, je pense que je vais terminer de les buter tous. Et une fois qu'ils sont tous tués, ben, je passerai à. Tombide va chanter cette nuit. Non, ça va. En règle générale, en plus, ce kebab, il est bon. Ça fait des années que j'y suis. Que j'y vais. Il est très connu, il est bien connu dans le monde du kebab, ce restaurant kebab là. Et ça, il s'appelle le Pacha. Il est ouvert depuis 1989. Et je pense que les employés dedans, ils doivent travailler dans ce kebab depuis 1989. Ils sont proches de la retraite, on sent qu'ils vont... Il y en a, ils disaient, ah moi, dès que la retraite elle arrive, Turquie! Je me casse en Turquie, qu'ils disaient. Mais franchement, si un jour vous passez du côté de... à Lyon et que vous voulez faire un kebab, ils vont finir en broche. Voulez-vous faire un kebab au centre-ville? Le Pacha. Si vous voulez vraiment manger un tacos lyonnais, allez là-bas. Un vrai tacos. C'est pas les petits trucs, genre les tacos au tacos, tu vois. Les trucs qui sont comme ça. Non. Le tacos, un tacos lyonnais, c'est ça. C'est une brique.
Merde! Ils m'ont fait tomber! Mais viens, Zébulon, bon sang! Putain, mais il veut pas! Allez, on y va. Donc, voilà, ouais. Et là, je m'étais dit, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tacos. D'habitude, je prends des kebabs, mais là, tu me dis, allez, tacos. Et bah, à chaque fois, je m'en prends un, bref. Oh! Ça fait mal. Bon, bah, j'y arrive. On va trouver ce foutu, comment ça s'appelle, ce foutu indice. On va aller buter le gars. Ensuite, on va trouver d'autres indices. Et ainsi de suite. Pour trouver où elle se trouve, elle se cache, la petite là. Enfin, la petite, la meuf, je sais plus comment elle s'appelait. Alexandra, non. Oh, Cassandra, non, je sais plus. Comment elle s'appelle? Non, Cassandra, c'est moi. Aspasia. Bonjour. Allez donc. Et allez donc. Je suis pas prêt d'arriver. Quand même, hein, ce jeu, il est. Je l'ai pas eu pour cher, je crois que je l'ai eu pour une 10-15 euros, je sais plus. Mais ça valait le coup, hein. Franchement, ça valait vraiment le coup. Même si c'était peu cher pour le prix. Parce que pour le jeu que c'est, parce que c'est 166 heures de jeu, c'est balèze. Et alors apparemment, Valhalla, il est plus long que ça. Si Valhalla, il est plus long que ça, putain. Je vais y jouer 200 heures, facile. Allez. Merde, comment ça... Ah oui, c'est avec cette touche. Ah bah oui, parce que c'est pas les mêmes touches pour... Ah, j'ai oublié un trésor. Ah, mais oui, attends, regarde. Bah oui, c'est vrai. Ça va, vous? J'ai oublié un trésor. Il est là. Et il n'y a pas les indices. Mais je comprends pas. Épave, ce serait pas dans l'épave. Attends, je vais aller chercher le... Merde, le con. Je vais aller chercher le coffre. Bon, j'ai pas le droit. Je sais. J'en ai rien à foutre. Lieu exploré. Alors, fais voir. Par hasard. Non, je pense que c'est le bateau qu'on a vu là-bas. L'épave. Que je n'ai jamais faite, d'ailleurs. Fais voir. Ah, si, je l'ai faite. Je vais payer ça. Mais attends, mais il se fout de ma gueule, les gars, là. Il se fout de ma gueule, tant. L'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs en Akaya. Je suis au niveau de la côte des pilleurs. C'est ici, c'est marqué. Et donc, c'est tout ça. A été perdu, mais où? L'épave, je l'ai fait. Attends, fais voir, parce que là, ça commence à... Adepte non découvert, le filon d'argent. Putain, attends, fais voir. Je vais retourner voir sur les internets. Comment j'ai mis Akaya. J'avais mis Akaya, Assassin's Creed Odyssey. Qu'est-ce qu'il me dit, Solus? Alors, il me parle de quoi? Dans cette partie de la Solus de AC Odyssey,
vous découvrirez les emplacements de tous les ostracons à énigmes d'Akaya. On s'en fout. Moi, je cherche l'indice. Je vais marquer indice. Indice. Ah, ça c'est Credo d'Odyssée. Indice adepte Akaya. Ah ouais, non, mais je vais utiliser les Solus parce qu'au bout d'un moment. M'éteint. Alors, fais-moi voir ça. Ouais, bah alors. Bonsoir, alors. Il y a une pub là sur jeuxvideo.com. Astrobot, j'ai vu. Il a l'air sympa. Ah, mais je crois que c'est seulement sur PlayStation, je crois. Enfin, bref. Fais voir. Ah, c'est un forum. Bonsoir, j'ai un problème. Quant à l'indice notifié dans le titre, quand je récupère l'indice de l'adepte qui est Macaon le redouté du filon d'argent en cherchant sur Internet sur le corps de la personne morte, eh bien l'adepte reste grisé. Et attends, il y a une personne morte, il faut. Mais elle est où la personne morte? Attends, parce que là il l'a trouvée, mais apparemment il a un problème. Ça se déclenche pas le l'adepte. Alors, attends, bouge pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Salut, je joue sans HUD. Ah ouais, d'accord. Donc, sans possibilité. Sans po Donc, possible. Que. Hein? Donc, possible que c'était indiqué. Ah ouais, quand j'avais pas vu, mais. Ouais, non. Ok. Attends, parce que je suis en Corinthe là, que je sais tant. C'est quoi ça? Ah non, c'est Akaya, d'accord, mais ouais, Corinthe, d'accord. Est-ce que ce serait pas par là, par hasard? Code dépliant, forme Assassin's Creed. Adepte. Fais voir. Quelqu'un a trouvé l'indice parce que j'ai cherché dans la crique, rien trouvé. Sur un corps qui est sur le gros rocher, juste à côté de la crique. Pas dedans, ni sous l'eau. Explore le rocher en question, tu vas trouver. D'accord, c'est sur les rochers, aux alentours. Les rochers aux alentours, donc. Donc c'est bien où je suis, je pense. Mais c'est où? Ça doit être là. Quelque part par là. Tiens, il y a une vieille cabane. Pas une vieille cabane, non, c'est une. Rien. Apparemment, il y aurait un cadavre quelque part. Sur les rochers. Où qu'est-ce? Et. Ah, bah voilà, indice à proximité. À proximité de quel côté, du coup? Est-ce que c'est tout là-haut? Est-ce que c'est tout en bas? Oh putain, je le vois. Voilà. Allez, qui c'est, ce con? Écoute, je ne pose pas de questions. Je suis les ordres. Oui. J'en ai rien à cirer, je vais te buter. Comme tous les autres, derrière il est là. On va se télécharger ici. Et je vais me le faire sur le champ. Ah, rien à foutre. Eh, c'est bon, ça fait trop longtemps que. Ah, je veux vite le finir ce jeu. Il est très bien, mais là, 166 heures. Il est où? Ah oui, c'est vrai, je peux sauter de n'importe quelle hauteur. Hop là! Ça, c'est génial, ça. Faut se libérer d'un poids, ouais. C'est pas forcément un poids, hein. J'adore y jouer.
Mais au bout de 166 heures, quoi, c'est... Le temps que je le termine, je vais peut-être, ça va peut-être faire 170-180 heures. Et voilà, quoi, c'est... Allez, encore un coup. Ah putain, merde. Vite, 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 vite. Tiens. Voilà. Allez, un adepte en moins. Casse-toi. Confirmé, je confirme. C'en est. Eh ben voilà. Oh bah putain, un de moins. Alors, fais voir maintenant. Voilà, le con en moins. Il est possible d'acheter un indice sur un adepte en Corinthie. Merde. En Corinthie, d'accord, je sais ce que c'est, mais c'est où, quel marchand? Parce qu'en Corinthie, il y a beaucoup de marchands, non? Alors... Acroco, ouais. Donc c'est là, alors... Non, là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Attends, je vais payer. Ma prime, on s'en fout. Voilà, j'ai tué un adepte. Bon, bah, c'est là, alors. Parce que Corinthie est ici, fais voir. Ouais. C'est quoi, ça? Non? Oh, bah, c'est ça, je pense. Parce que ça va jusqu'où? Ça va jusque-là? Ouais, bah, c'est ça. On va se télécharger ici. Et on va acheter. GG, merci. On va acheter le... Le truc. Attends, je suis à combien de pourcents? 89. Je vais enlever le chargeur. Voilà. Se téléporter. C'est pareil. Télécharger, téléporter. Ah merde, j'ai pas le droit d'être là. Comment ça, j'ai pas le droit d'être là? Depuis quand j'ai pas le droit d'être là? Bon bah, marchand, bah c'est lui le marchand. C'est le seul marchand. Bienvenue. Acheté. Bannière spartiate abîmée. Ah. À une autre fois. Eh ben voilà. Mieux vaut taire les paroles creuses. C'est pareil. Bon bah toi aussi je vais te déglinguer. Comment ça je peux pas le tuer? Combattre pour Athènes sur le champ de bataille d'Achaïa. Ah. Attends, pour combattre pour Athènes, Achaïa. Achaïa, c'est ici Achaïa. Ah, mais il n'y a pas le combat. Ah, putain, d'accord. Ah, putain, je sais pas comment faire pour refaire le... Putain, comment je fais, moi? Bon, je vais faire celui-là. Il y a un adepte sur l'île de Cythère. Il faut aider les habitants. Cythère. L'île de Cythère, fais voir. Cythère, je crois que c'était par là, non? Bah non. Ah! Putain, faut que j'aide lui. C'est bien ça, hein? Cythère.
On voit pas très bien, mais bon. Faut que je fasse ça. Bah, il me reste une. Bah, allez, c'est parti, hein. Ah, je vais finir par y arriver. Tous les indices découpés. Adepte de cause. Quoi? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? C'était là-bas. T'y arrives-vous? Alors. C'est qui c'est où? Qu'est-ce qui se passe? Qui veut? Allez, moi je tue tout le monde. J'en ai rien à foutre. Putain, il m'a chié dessus le con. Bah tiens, regarde, il nage. Allez, viens. Merde. Tiens. Tu es un cadeau de la déesse en personne. Oh, j'en suis pas si sûr. Et par les moires, elle a bien choisi. Elle aussi, elle me veut, là? Son choix est très bon. Oui, la déesse t'a béni. Je suis un spécimen de choix. Mais toi aussi? J'ai toujours aimé les charmeuses. J'imagine que cela ne te plaisait pas. Tu On va se pécho C'est impressionnant. Je suis une prêtresse de l'amour, mais je sais mordre aussi. Et j'aime mordre. Il faut oh, de c'est l'audace nul. Pour intégrer une prêtresse. Tu dois c'est être nul, ces phrases. Je suis Diona, une simple acolyte née pour servir Aphrodite. Ceux-là sont des chiens. On n'entend que dalle. Ce n'est pas la première fois qu'on attend à ma vie. Le voilà. Culte. Dis-moi ce que tu sais. Vite. Pas ici. C'est un peu mieux. Nous serons plus en sûreté en ville. Tu m'escortes? Bah, allons-y. Allons-y. À notre arrivée, tu pourras me dire tout ce que tu sais sur le culte. Je voulais récupérer des trucs, mon grand, voilà. Piller. Attends, il y a un coffre. Bowling. Voilà. T'es gentil, on n'y va pas à pied. Tiens, monte. Allez. Non, tu sais quoi? Vas-y sans moi. Attends, merde. Attends, la quête en question, c'est quoi là? C'est ça. Oh là là, vraiment? Vraiment? Au pire, cours! Au pire, fuis! Putain, je l'ai fait dans le vide, le coup. Voilà. Crève-moi ça. Viens, voilà. Oh bordel, mais c'est qui nous emmerderait, eux. T'en laisse-moi faire, chérie. Voilà. Bon, bah, on va y aller à pied parce qu'apparemment elle veut pas. Attends, fais voir, je vais réessayer. Tu veux pas monter? Tiens. Tu veux pas monter? Non, tu cherches la merde là. Bon. Allez, on va y aller à pied. Vas-y, allez, je te suis. Pourquoi tu regardes tout le temps derrière toi, bon sang?
C'est là ? Parlez. Je suis en sûreté ici. Le culte de Cosmos n'oserait jamais frapper en ville. Bien. Dis-moi ce que tu sais. Tout de suite. Laisse-moi au moins reprendre mon souffle et prendre le temps d'admirer ta divine silhouette. Assez bavardé. Dis-moi ce que tu sais sur le culte de Cosmos. Si tu insistes, nous avons toujours surveillé le culte. Mais depuis peu, il s'enhardit. Par les moires. Il a poussé ma sœur, la grande prêtresse, à s'enfermer dans ses quartiers. Un chef du culte a dû intervenir pour que ses membres tentent de tuer un personnage aussi connu. Nous n'avons pas affaire aux cafards habituels. Ma sœur m'a demandé de protéger Citer du culte et de démasquer l'adepte qui veut sa mort. C'est trop risqué, c'est bien pensé. Ça peut réussir. Ta sœur est intelligente. Sa méthode laisse à désirer. J'ai failli me faire tuer. C'est regrettable, mais son idée reste bonne. Alors aide-nous à protéger Citer et à démasquer l'ennemi. Par les moires, tu as vu ce qui s'est passé. Je n'y parviendrai jamais seule. Protéger Citer ? Je coûte cher, tu sais. Tu es bien une mystiose. Eh oui. Le culte a dressé des projets pour le monde grec. Grâce à mes dons, je sais ce qu'il compte faire et où il va agir. J'imagine que de telles informations te seraient utiles. Mais si ça ne suffit pas à te satisfaire, je le ferai. Des drachmes suffiront. Je ne veux que des informations sur le culte de Cosmos. Et des drachmes. Beaucoup. Tu ne sais pas ce que tu rates, Mystios. Mais tu les auras, tes drachmes. Excellent. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? 3 tâches extrêmement simples. Avant tout, mon associé au port a besoin d'aide. Va le voir. Quoi d'autre ? Ma sœur soupçonne une trahison dans nos rangs. Si elle a raison, elle aura besoin de toi. Attends, pourquoi on l'entend pas ? Va la voir au temple. Enfin, les prêtres... Je vais voir un truc. Option audio. C'est quoi fréquence? Règle délai. Avant le déclenchement de la musique et de l'exploration. Ok, non, je crois qu'on pouvait booster. Putain, mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme mail, ce foutu LinkedIn? Et il m'emmerde. J'en entends pas parler pendant des années et là il. Eh, je suis là. Ça te dirait Affectionne les lames empoisonnées. Mais des bandits ont volé nos apothicaires et se sont réfugiés dans les ruines mycéniennes. Quand ce n'est pas le culte, ce sont les bandits. Récupère nos fioles de poison. Elles nous seront utiles pour affronter le culte. Ouais. Heureusement pour toi, je suis tombée sur des bandits dans les ruines, au sud. Ah bah tiens. C'est à toi, ça ? Parlez-moi, oui. Merci, Mystios. Nous pouvons maintenant nous préparer à affronter le culte. Dis-m'en plus sur tes autres demandes. J'en sais assez pour continuer. Je ferai ce que je pourrai pour Citer et pour toi. Merci, Mystios. Peut-être que quand tout sera fini, nous pourrons nous détendre ensemble. Oh là là. Chose à la fois, Yona. À plus tard. Putain, mais tout le monde veut me pécho, mais c'est dingue. De moi. Quête terminée. Ah bon ? Ce message est destiné à la grande prêtresse. Il faut que j'aille lui en parler. Choix de poison. Quête terminée, d'accord. Plusieurs quêtes acceptées. Qu'est-ce qui me dit quoi ? C'est ça ? Donc ça, j'ai fait. Ça, c'est... Attends, ça, c'est quoi ? Rapporter le message à la grande prêtresse au guet d'Aphrodite au port de Scandeia. Parler au capitaine du port afin d'aider Diona. Eh bah, ben, c'est parti. Où qu'est-ce ? Major. Comment ? Merde, comment ça marche ? Ah oui, voilà. Ah, les touches, elles sont complètement différentes. Là. Assassin's Creed Origins, alors c'est sûr que
C'est mon cheval, là? Il est resté ici? Non, c'est pas lui. Oh là là. Oh bah mon Dieu. Je commence à en avoir marre de ces cheveux longs là. Je sais pas si je veux pas me couper les cheveux, je sais pas encore. J'hésite. J'ai l'impression que c'est vachement tendance les cheveux longs maintenant là. Parler à Camilla, parler au capitaine. Il est où? Ah, il est là-haut. J'imagine que tu es le capitaine du port. J'ai dit que je paierai une fois que j'aurai été payé. C'est Diona qui m'envoie. Selon elle, tu as besoin d'aide. Diona? Attends un peu. Tu es qui, toi? Je ne fais que l'aider. Elle a des informations que j'aimerais connaître. Tu mens! Je parie que tu as plus envie d'elle que de ses informations, n'est-ce pas? Dis-moi simplement ce qu'il faut faire. Tu penses pouvoir te débrouiller mieux que moi, hein? À vrai dire, oui, beaucoup mieux. D'accord. Tu veux montrer à Diona ce que tu vaux, c'est ça? Les soldats sont une vraie plaie ces temps-ci. Ils ont emmené des mercenaires qui intéressent Diona à l'entrepôt fortifié. Elle a besoin que tu les libères. Je peux m'en occuper, mais ce sera cher. Si jamais tu reviens en vie, je me chargerai moi-même de te farcir la bourse de drachme. Marché conclu. Hey. Mais avant... tu veux que je te farcisse la bourse, ma belle? Je vais te farcir la bourse, attends. De drachme, attends. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Alors... ça suffira. C'est suffisamment pour agir. Oui. Tu ferais bien de préparer tes drachmes. Reviens quand ce sera fait. Si toutefois tu réussis à quitter ce camp en vie. Ah, c'est ici. Pour accélérer. Ah oui, ça. Ah, en plus, je l'ai déjà fait, oui. Trouvé. Il est là-bas. Voilà. Bon, on va les noter tous un petit peu, les marquer, je veux dire. T'as un truc ici, là, quoi? D'accord. Ah, c'était ça, d'accord, ok. D'accord, l'entrée. Ce côté, il n'y a personne. Attends, non. Ah, merde. Attends, bouge pas. Je crois qu'il y en a un que j'ai oublié. Attends, il était où? Ah, bah voilà, il y avait là. Attends. Ouais, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Point d'aptitude, ouais, je m'en fous. Je veux juste récupérer les infos, tuer les adeptes et puis basta. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on remarque. Ouais, c'était plutôt simple pour rentrer. Je l'ai même pas voulu et je suis rentré. Ah, mais d'accord, ok. Ah, qu'est-ce que je fasse d'ici, moi? Je peux rien faire. Y a pas... Mais c'est complètement débile de faire... Mais... Parce qu'en soi, je peux pas me battre. Ouais, bon, écoute. Alors, fais-moi voir. Ah mais c'est vrai, j'ai la dague, moi. Je peux en buter quelques-uns avec la dague.
Ah, comment on siffle déjà avec celui-là? Ah, mais oui, c'est pareil que pour appeler le... Ouais. Pour appeler Zébulon, là. Phobios. Oh, mon Dieu, je prends des risques. Allez. Ouais, j'ai peut-être fait le con, je te l'accorde. Non, pas pour Zeus, pour personne. Il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de... Ah, je peux pas faire plus que ça. Allez, viens des. Ah ouais, mais là, vous êtes beaucoup trop. Voilà. Oh bah alors! Tiens! Voilà! Génial, t'as énervé tous les connards! Oh putain! Regarde qui arrive là! Je vais le crever là, tu vas voir. En moins de deux. Ah, je suis chafouin. Ah bah, hey. Je suis surpuissant, moi. Voilà, un de moins. Récupérer les trucs. Alors maintenant, putain, lui va découvrir les cadavres. C'est pas grave. Je vais aller le crever. Regarde comme il se rapproche. Oh mon dieu, mais c'est un... Ah mais non! Ah bah si, il peut me voir, je suis con. Tiens! Allez, encore un, non? Voilà! Ah bah tiens, lui! Bah allez, viens là, mon petit! Ah bah oui! Ah, il va plus avoir la prime sur moi, là! Finito, la prime! Finito! Voilà, plus de prime! Plus de prime! Charlatan. On va récupérer ça. 150 cuir. Souple. On va récupérer ça. Ah oui, il faut que je... Ah oui, j'ai failli oublier ce que je devais faire à la base. Tire-toi. Je les ai tous butés. Bah dis donc. J'ai le hook, hein, maintenant. Je ne veux pas mourir ici, Mistyos. Tu vas pas mourir. Ouais, bah casse-toi. Retournez voir le capitaine du port. C'est par où? C'est par là.
J'ai libéré les prisonniers du campement militaire. Il y en avait 3. Tu les as tous eus? Oui, oui, les 3. Aussi chevelus que des œufs. Alors, tu dois être plus doué que tu n'en as l'air. Dans ce cas, Diona a encore besoin qu'on lui rende un service. Quelqu'un doit mourir. Je t'écoute. Les ennemis de Diona ont des hommes sur l'atoll de Kitra. Ils comptent utiliser ce lieu pour lancer des attaques contre Citer. Il faut que tu éradiques cette vermine. Moi, je dis Hagra. Ça me paraît difficile. Tu veux m'envoyer seul sur une île qui grouille d'ennemis? Oh, la nouvelle championne de Diona aurait-elle peur? Attention à tes paroles. Bon, assez bavardé. Elle veut que tu élimines le capitaine là-bas. Ensuite, ses hommes se disperseront. Mais tu les quand même tous. Tu es d'accord? Je vais m'en occuper. Je vais m'en charger. Que peux-tu me dire de plus? Mais il n'y a plus rien à dire. Va le tuer et puis c'est tout. Parle-moi du culte. Dis-moi ce que tu sais sur le culte. Quel culte? Le capitaine n'en fait pas partie. Ça pourrait être un dieu. Je m'en fiche. Diona dit qu'il veut sa mort parce qu'elle l'a repoussé. Et que le seul moyen pour nous d'être ensemble, c'est que cet homme disparaisse. C'est ce que tu cherches aussi, non? Obtenir ses faveurs. Bien sûr. J'ai déjà ses faveurs. Et lorsque j'aurai tué le capitaine, ce que tu n'as pas su faire, elle t'oubliera. Tu n'y serais pas parvenu sans mon aide. Ouais, Diona oh se souviendra de tout ce que j'ai fait pour elle. Elle ne peut pas simplement m'oublier. Oh si, j'en suis sûr. J'ai ce qu'il me faut. J'en sais suffisamment. On fera parvenir une jolie somme à ton navire quand ce sera fait. Parfait. Va, fiche le camp. Et ne t'avise pas de retourner voir Diona. Sinon quoi? Sinon, je... Ah! Va-t'en! Il est amoureux! La nouvelle quête, c'est quoi? Atoll Ator. C'est où? C'est là-bas? Le capitaine est à l'emplacement d'une épave dans le sud-est, dans le sud de Citer. Attends, bouge pas. Non. Doucement. Tac. Alors, dans le sud de Citer, une épave a été aperçue sur l'atoll de Chitra, au sud de la baie de Scandeia. Le capitaine se cache au campement de l'épave sur l'île. Fais donc voir ça. Ah, d'accord. J'y suis jamais allé, là? En 166 heures de jeu? Never? Eh ben, dis donc. Ah bon? Et tu veux pas continuer jusque là-bas? Pourquoi t'es passé par là? Oh, attends, il y a un truc là. Merci. Et le cheval, il peut sauter? Oh, ça va. Putain, ça va. Hein. T'as une falaise comme ça, hop. On n'en parle plus. Oh, tu montes? Alors, fais voir. Allez, vas-y, saute. attends. Il y a une barque. Je devrais pas aller si loin. Eh, je me suis à peine éloigné, bon sang. Ces barques, elles sont toutes éclatées. Je vais me planquer ici. Je le vois. Il y a d'autres mondes ou... Il y a que eux? Attends, fais voir plus près.
Alors, fais voir, descendre. Bon, tu sais ce que je vais faire? Je vais leur balancer ma grosse lance. Attends, bouge pas. Allez, descends. Je vais leur balancer la lance dans la gueule et je vais tous les crever en un coup. Si cette famille est finie, là. Je vais t'arracher. Ah! Ils ne ressemblent pas à des membres du culte. On dirait plutôt des mercenaires bien payés. Et ben voilà. Alors. Et du coup, c'était d'où? Ah, lieu exploré, d'accord, campement du naufrage. Ouais. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je suis censé... Ah, il était là. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est bon, j'ai terminé. Et rapporter le message. Ah, pardon. Faut que je rapporte un message. Et fais voir où est-ce que je dois le rapporter, le message. Ah. Quoi? Ouais, je l'ai... Je suis aveugle ou... Ah, putain. Ah merde, il est là, d'accord. Oh bah attends, regarde. On va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder 107 ans. On va se télécharger. Qu'est-ce? Merde, c'était en haut. Viens là. Merde, je veux t'aider, je ne viens pas pour te tuer. C'est Diona qui m'envoie. Je suis une amie. Pourquoi cette idiote m'envoie-t-elle une mission? J'ai donné des ordres précis. J'entends qu'on les suive. Elle dit que d'après toi, il y a un traître dans vos rangs. On ne peut faire confiance à personne ces temps-ci. Que veux-tu faire concernant le culte? Me venger, faire justice. Je veux faire justice. Il a fait du tort à ma famille. Et il est normal qu'il paie pour ça. La famille est une excellente raison d'agir. Le culte de Cosmos doit répondre de ses actes. Et c'est à moi qu'il répondra. Tu peux peut-être m'être utile, finalement. J'ai envoyé une de mes servantes espionner certains des nôtres, et... Elle n'est pas revenue. Exactement. Mais je me moque de son sort. Ah bon ? Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a découvert. Rapporte-moi cette information. J'ai trouvé un message, ah bon? J'ai trouvé ce message sur le cadavre d'une prêtresse dans une ferme. Elle a été tuée par des adeptes avant mon arrivée. Quoi? Lis-moi ce message, vite! Il y est écrit « Méfie-toi des moires ». Le reste est illisible, à cause du sang. Ça n'a aucun sens! Elle est morte pour protéger ce message, sûrement pas sans raison. Nous ne saurons jamais s'il y a vraiment un traître parmi nous. Mais je ne peux pas en exclure l'éventualité. Tout n'est que confusion. Coopère avec Diona. Protège Citer pour nous, Mystios. Alors, et ensuite? Nouvelle quête à toute, en toute hâte. Retournez voir Diona. J'arrive, Diona. Mais dans ce jeu, il y a beaucoup de personnes, quand tu leur parles, et ben, ils vont dire qu'il veut te pécho, tu vois.
Ah mais tu sais, moi, si tu passais un petit moment avec moi, tu serais super détendu. Et c'est bien beauf en plus, c'est la meuf, oui, je suis la déesse de l'amour, mais je sais mordre des fois. Tu sais, de la drague comme on aurait pu en faire dans les années 2000, c'est fini ce genre de drague, tu vois. C'est... Oh, peut-être qu'à l'époque, je sais pas comment ils se draguaient, tu vois, mais c'est fade. On s'y attend, voilà, on s'y attend. Chaud du slip à l'époque, ouais, bah, je te l'accorde, ouais. J'ai libéré tes mercenaires et je me suis occupé du capitaine, comme tu le souhaitais. Bonne nouvelle. Tu as porté un rude coup aux forces du culte. Et je te trouve de plus en plus séduisante. Oh. Autre chose ? Ta sœur t'envoie ses salutations. Tu as trouvé quelque chose sur cette traîtresse ? Il y a peut-être une traîtresse. Nous avons une preuve de trahison. Ta sœur a découvert une preuve de trahison. Quoi ? Quoi ? Impossible ! Mais qui cela peut être ? Dis-le-moi, sinon je ne pourrais faire confiance à personne. On ne le sait pas encore, mais ta sœur poursuit ses recherches. Je vois. Je vais prendre mes précautions. Et je crois qu'il faut que je lui rende visite. Merci, Mistios. Il y a autre chose ? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Et maintenant ? Mes éclaireurs nous retrouveront chez moi. Ils nous diront ce qu'ils ont découvert grâce à ton travail. J'ai une chose à régler avant, mais si nous avons un peu de temps à mon arrivée... Oh, ta gueule, putain ! Par noir, nous pourrons le passer agréablement. J'ai hâte d'y être. Occupons-nous avant du cul... Avant tout du cul. Non. Pour l'instant, ce qui compte, c'est le culte. Je te verrai à la villa. Parlez-moi. Tu finiras bien par céder. Mes couilles ! Quête terminée en toute hâte. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Dites-moi tout. Oh. Une place dans le cosmos, d'accord ? Ensuite, nouvelle quête, parlez-moi. Rencontrer la servante de la ferme et lui parler. Pourquoi il me dit que... Ah, mais c'est un nouveau. Attends, je vais lui dire bonjour. C'est un nouveau... connard. Cosmas. L'indifférent. Ah bah oui, carrément indifférent. Il est passé à côté de moi. Et regardez-moi, bon, je suis indifférent. Mes couilles de gonzesse. Ah, après... Ah mais non, à l'époque, ça n'existait pas, les trans. Chirurgicalement, ils ne pouvaient pas faire des trucs. Hein, comme ça. Ah, mais non, ils pouvaient peut-être se maquiller. Peut-être il y avait des femmes qui faisaient hommes et des hommes qui faisaient femmes. Je sais pas. Je suis pas... Je suis pas Grèce antiquée, hein, moi, je... Nous t'attendions, si tu veux bien me suivre. Elle nous a ordonné de prendre soin de toi jusqu'à son arrivée. Tu dois avoir les épaules tendues. Je suis sûre que je peux arranger ça en attendant Viola. Suive la servante. Comment on fait pour marcher, déjà ? Ah, bon. Rien ne pourrait te faire changer d'avis ? Ta maintenant, ce serait considéré comme du harcèlement. Si peut-être, non, rien du tout. La grande prêtresse est peut-être en grand danger. Ce n'est pas le moment. Tant pis pour toi. Très bien. Je vais aller chercher les éclaireurs pour qu'ils rendent compte. Bonjour. Diona a parlé d'éclaireurs et de leur compte-rendu. Où sont-ils ? Diona en a fini avec toi. Malaka ! Oh putain ! C'est elle ! Merde ! C'est elle ! C'est elle qui fait partie du culte, c'est elle ! C'est cette pute ! C'est elle. C'est elle, le membre du cul. C'est celle qui nous draguait le cul, là. Ah,
fais pas. Voilà. Alors, c'est elle. Interrogez la servante. Elle est où? Elle est là. Alors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai seulement fait ce qu'on m'a dit. Diona m'a ordonné de t'amener dans le jardin. Pitié, ne me tue pas. Je préfère partir. Je vais tuer cette traîtresse. Elle est partie tuer la grande prêtresse à l'autel, au nord du temple. Tu dois te dépêcher. L'autel. Bien. Aphrodite va avoir droit à un sacrifice. Tu fais confiance au visage voilà. Qui te montre ton reflet? Pas moi. Je vais la crever. Je vais te crever. Elle est où? Rejoins de l'hôtel, c'est où? C'est là-bas. Alors. Viens là, Zébulon. C'est parti. Comment ça? Tu es dans la pute. Oh là là. Voilà. Bah voilà. Là c'est bon. Comme dirait une amie, toutes des putes. Alors, bah dis-moi, voilà, on y arrive. Diona, où est-elle? Voilà, il est énervé le cheval. Et lui aussi, il veut buter Diona. Et où? Elle est où, Diona? Elle me suit quand même. Vous êtes jumelles? Des jumelles? Je n'arrive pas à le croire. Elle a toujours envié ma réussite. Vivre dans mon ombre a fini par lui coûter la raison. Tue-la! Vite! Vivre dans mon ombre! Je t'aimais, Diona. Je n'ai jamais cherché à t'écraser. Mystios, tu dois la tuer avant qu'elle n'offre Citer au culte. Ça me brise le cœur. Mais il le faut. Ne parle pas de ton cœur, vipère. Avoue, tu n'en as jamais eu. Cette foule. Attends. Que contenait la note de la servante? La véritable prêtresse, c'est forcément ce que contient le message de sa servante. Méfie-toi des moires! Comment peux-tu savoir ça? Sa fin a dû être si tragique qu'elle a renié les moires. La pauvre. C'est ma faute. Je l'ai chargée de t'espionner. Et tu l'as fait tuer quand elle a menacé de te démasquer. N'écoute pas ces mensonges. Je suis la grande prêtresse. Si je vous tuais toutes les deux... Je pourrais vous tuer toutes les deux. Je devrais peut-être, d'ailleurs. Tu veux nous tuer? Et tu penses que cela ira contre les volontés du culte? Ils se moquent de notre sort. Elle dit vrai. Parlez-moi. Si nous mourons... Le culte enverra quelqu'un prendre la place de grande prêtresse. Les méthodes du culte n'ont pas de secret pour toi, n'est-ce pas, serpent? Et si je m'en allais? Et si je vous laissais régler ça entre vous? Si tu t'en vas, tu auras encore plus de sang sur les mains. Diona me tuera sûrement, serpent! Elle sait que c'est moi qui mourrai. Si tu ne fais rien, tu seras responsable de la chute de Citer. Oh putain! Assez! Il faut tuer Diona, dépêche-toi! Fais ton devoir, Mystios! Tue Diona! Taisez-vous! Ah merde! Moi je dirais à droite. Toi, je t'ai percé à jour, Diona. C'est terminé. Par les moires, je vais vous tuer! Je vais en savourer chaque instant! Ah!
c'était pas elle, je parie. Si ? Vous venez péter au clépitier. L'adepte du culte a été démasqué, grande prêtresse. Ma propre sœur. Tous les signes étaient là. La famille, je sais. Tu l'autre pour le fun. Mais je l'aimais aussi. Je connais ce sentiment. Tu as su protéger Citer en mon nom, Mystios. Quant au culte de Cosmos. Heureusement que j'ai tué la bonne prêtresse. En effet. En tant que grande prêtresse, mon devoir est de recueillir les égarés et de les ramener dans le sein d'Aphrodite. Et si tu as rencontré les habitants de Pefka, tu sais pourquoi seule une intervention divine peut les sauver. N'y suis jamais allée. Tu as de la chance. L'une de mes prêtresses a été envoyée là-bas et en est revenue bouleversée. Elle a parlé d'un homme, Mélite. Qu'en est-il de lui ? Il terrifie et persécute la population de Pefka. Il mène de sombres activités, mais j'en ignore la nature exacte. Peut-être que ceci pourra t'aider. Merci, grande prêtresse. Maintenant, excuse-moi, mais je dois tout rebâtir. Guéret. Ok. Des drachmes, veux-tu en voilà ? Bah c'est bien. Bah c'est bien. Putain, mais il y a même des corps ici, il y a des quêtes terminées. Bon, alors fais voir. Bah maintenant il me reste le dernier. Mais le problème pour le dernier, combattre pour Athènes sur le champ de bataille. Alors comment je peux faire? Comment je peux faire? Parce que c'était où? C'était ici. Ouais, d'accord. Réduisez la puissance. Ah. Il faut que je refasse les trucs, là, ça. Les camps, les machins, pour réduire... Ah, bah attends, regarde. Il y a des trucs que j'ai pas fait ici. Là non plus, tiens, on va aller voir ça. Intervention divine ou le missile de Raccoon City. C'est quoi, ça, le missile de Raccoon City? Ah, merde! Qu'est-ce que c'est? Bon, allez vous faire foutre. Putain, j'ai réussi à le louper, bordel. Bon, on s'en fout. Non, qu'est-ce que tu fais? On va prendre le cheval. Ah, putain, mais oui! Ah oui, putain, ça me revient. Oui, c'est vrai. Ici, de Raccoon City. Putain. Putain, mais c'est des ours? Ouais. Putain, je m'en souviens quand il était sorti sur PlayStation. On était allé chez des potes, on y avait joué. C'était la première fois que je jouais à un... Ah, mais ça y est! Attends, quoi? Oh putain! C'était la première fois que je jouais à un jeu d'horreur. Alors à l'époque, c'était le must qu'on puisse avoir en jeu d'horreur. Combattre pour Athènes. Attends, Athènes. C'est les bleus, Athènes. Oula, faut pas que je me trompe. C'est les rouges. Les Spartes. Les Spartiates, pardon. Et donc, ouais, c'était... C'était the jeu, quoi. C'était the game, je veux dire. The jeu. Ah, merde, pas de route. Et je m'en souviens, j'étais donc allé chez des potes. Il y avait mon frère et les deux gars, les deux potes. J'étais gamin, je devais avoir 10 ans, je sais pas. Et on jouait à ça. Et il y avait cette fameuse scène où il y a il coûte. Combien ça sortit, j'en ai aucune idée. Alors ça, c'était les parents. C'était les parents de mes potes, enfin surtout la mère qui lui achetait les jeux. Et en plus, c'était en francs, alors je pourrais pas te dire.
Il y avait cette fameuse scène où il y avait le zombie qui bouffait un corps et d'un coup il se retournait comme ça. Et nous on était ah ça fait peur, alors que maintenant tu regardes ça, tu te dis c'est quoi cette merde. Enfin, les graphismes quoi, c'était pas... Attends, je revérifie. Oui, il faut bien combattre pour Athènes, donc c'est les bleus. Allez. C'est les bleus. Et d'ailleurs, c'est les plus faciles ou les plus difficiles, ça? Normal, difficile, bon, bah, je vais gagner facile, alors. Ta présence est un bon présage, porteuse d'aigle. Zeus est de notre côté. Zeus est seulement du côté de... Nous aurions besoin de tes... Je vais combattre pour Athènes. Je combattrai pour Athènes aujourd'hui. Alors, tu combattras avec honneur. Allons apprendre la douleur à ces Spartiates. Oui. Ouais. Allez. Aujourd'hui, Sparte va souffrir. Ah putain, il est là. Voilà. Et voilà, un en moins. Suivant. Il est où le suivant? Il est où le suivant, bon sang? Ah putain, il est là. Voilà. Oh putain. Et puis voilà. Un autre. Alors, suivant. Il est où le suivant, bon sang? Merde. Ah, il est là. Ah, c'est lui. La mort sera rapide. Oui. Si tu le dis. Si tu le dis. Ah bah oui, effectivement, oui. Vas-y, viens, 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 viens. Voilà. Non, mais pas sur lui, putain. Toujours pas sur lui, putain. Allez, crève-le, là. Parce que là, on est en train de crever. On est en train de perdre, regarde. Et donc, oh là là, à chaque fois, il se trompe. Ça bordel, vite vite vite, crève le vite, crève le vite, tiens, voilà, voilà, comment termine. Voilà. Il est là-bas, l'autre. Tiens. Alors, Théos, fais-moi le mariole, là. Voilà.
Suivant. Suivant. Il veut pas se dénoncer, le suivant. Il est où? Ah bah tiens, il est là. Voilà. Je vais m'en sortir. Ensuite, the next one. Vous finirez chez Hades. Where is? Allez. Ah, il est là-bas. Il est là, ce con. Il est là. Après, après. T'as, tu veux un coup toi aussi? Il est où? Il est où? Ah mais je les ai tous tués les chefs. Je les ai tous tués là. Voilà, ils vont tous partir en... battre en retraite plutôt. Ah, c'est pour le fun. Ah bah tiens, voilà. Et bah voilà, nickel. Et bah voilà, je les ai tous tués. J'ai tous tué ces connards. Voilà, nouvelle gravure disponible. Quête terminée, le culte des héros. Attends, bouge pas. Nouvelle quête, on va faire ça. Entrer dans l'antre du culte de Cosmos. Est-ce que je serais pas en train de le terminer là? Ah mais ils ont rien sur eux les cons. Ils sont pauvres. Bon. Attends. Voilà. Est-ce que ce serait pas le dernier voyage? The last voyage. Ah ouais, non mais je veux pas faire tout le tour, t'es gentil toi. On va se téléporter. Je sais plus combien ils coûtaient les jeux vidéo à l'époque. J'ai relu ton message. Mais alors, ce que je me souviens, c'est que ils n'avaient pas tous le même prix. Ça, c'est... Je m'en souviens, tu avais des jeux. Sur Nintendo 64, notamment. Tu pouvais en avoir mais, des jeux neufs. Hein. Il y en avait, ils étaient à 300 euros. Il y en avait... 300 euros. À 300 francs. Il y en avait, ils étaient à 400 francs. Le plus cher que j'avais vu, c'était un jeu de foot sur Nintendo 64. Il était à plus de 700 francs. Pour avoir une ordre d'idée, par exemple, 300 francs, c'est 45 euros. Mais avec l'inflation, on est peut-être aux alentours des 60 euros. Donc, c'était approximativement le prix d'aujourd'hui. Et, mais ce jeu de foot sur Nintendo 64, qui coûtait... 700 francs, donc ça fait plus de... Je sais pas. C'était énorme. Ça devait peut-être être 120 euros, un truc comme ça. Mais... Il n'y avait pas de prix fixe, si je me souviens bien. Ah bah c'est là. Ça y est, j'arrive à la fin. Parce que... Si j'arrive à la fin, au pire... Ah, mais je sais pas si je peux me l'acheter parce que j'ai eu un problème avec ma CB. Je me disais, peut-être que je m'achète, je me prends directement le Assassin's Creed Valhalla. Mais j'ai eu un problème avec ma CB, je sais pas si je vais pouvoir me le prendre ce soir. Ah, ouais, je vais voir. J'essaierai quand même. Mais attends, c'est ma mère, ça. T'as reçu la nouvelle? Non, c'est un vrai bordel. Pour faire simple, ils m'ont dit, parce que comme j'ai eu l'arnaque sur internet, tout ça, ils m'ont dit, on bloque votre CB au bout d'une semaine. Enfin, on bloque votre CB et dans une semaine, au plus tard, vous avez la nouvelle. Une semaine plus tard, j'ai pas de nouvelle CB. Alors, je le rappelle et ils me disent, ah non, ça n'a pas été bloqué, je sais pas trop quoi, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc, je continue à l'utiliser
il y a mon conseiller qui me rappelle, il fait « Ah oui, bah du coup, pour tout ça, là, bah, il va falloir que je bloque votre CB, tout ça, vous ne pouvez plus l'utiliser. » Et là, aujourd'hui, j'avais besoin de tickets de bus. Je me suis dit, on va tester quand même, j'utilise ma CB, elle marche toujours. Je comprends rien à ce qu'ils me font. Vraiment, c'est... Alors, techniquement, ils m'ont dit, on a fait opposition à votre CB, vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais j'arrive à l'utiliser encore, donc je sais pas, peut-être que c'est de l'argent... magique. Donc je vais essayer tout à l'heure. Cassandra. Nous n'aurions jamais dû en arriver. Tu veux payer avec ton portable ? Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis pas un adepte de, tu sais, payer avec son portable et tout. Non, je suis. J'achète sur internet, c'est très rare, mis à part pour les jeux, mais sinon, ouais, voilà. Il y a bien longtemps, des gens se sont réunis pour défendre une théorie qui, à leurs yeux, aurait pu contrôler l'univers. Selon eux, le monde était constitué d'ordre et de désordre. Mais certains ont embrassé dans leur folie la sinistre cause du chaos. C'est ainsi qu'est né le culte de Cosmos. Ils ont usé de leur pouvoir pour plonger le monde grec dans une guerre perpétuelle. Ton destin était d'y mettre fin. En anéantissant le culte, tu as accompli ce que je n'ai pu faire. Tu es une héroïne. Ah, mais c'est Pythagore. Ce déséquilibre a un prix, mon enfant. En l'absence de chaos, l'ordre règne sur tout, empêchant le progrès et la liberté. Mais il reste un espoir, grâce à toi et à l'avenir que tu engendreras. Nous devons réparer nos erreurs. Utilise ce bâton. Répare la faille de l'univers. Le monde dépend de toi, Cassandra. Redevient une héroïne. Et c'est comme ça qu'est créé les assassins dans le CG. J'ai pas dû comprendre. Alors, tu as vu toi aussi? C'est magnifique, n'est-ce pas? Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué le dernier membre du culte. Enfin, presque. Quoi ? C'est vrai. J'ai dirigé le culte. Mais très peu de temps seulement. L'arrivée de ton frère a transformé tout ce que nous envisagions. Je n'en reviens pas. Malaka. Alors tu nous as traqués ? Pas vous, votre lignée. Les gens comme Léonidas, comme toi, ont toujours constitué une menace. Puis je t'ai rencontré, et tu m'as surprise. Tu ne ressemblais pas à Deimos. Pourquoi tu ne t'es pas servi de moi? Tu m'avais à portée de main. Tu m'as rendu optimiste. J'ai pensé que tu pourrais m'aider à abattre le culte devenu corrompu. Et c'est ce que tu as fait, sans le savoir. Tu as pris un gros risque. Comment ça, je vais la draguer maintenant? Tu es comme eux. Tu ne cherchais pas à mal faire. Tiens, je vais flirter avec elle, peut-être qu'elle va baisser sa garde et après, coup de dague dans le front. Tu as pris un risque en me disant ça. Tu sais ce que je fais aux adeptes, Aspasia. Oui, mais je ne voulais plus te mentir. Le culte a disparu et nous pouvons travailler ensemble. Nous serions plutôt bien assortis, non? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... cette pyramide? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle entre les mains du culte? J'ai essayé de comprendre moi aussi. Mais ça reste un mystère, autant pour moi que pour toi. Cela fait des décennies que le culte vénère cette pyramide. Et nous l'avons utilisée pour remplacer l'oracle de Delphes, la personne la plus respectée du monde grec. On va souquer, madame. Utiliser les croyants. Après, je te tue. Nous aiderait à remodeler l'humanité. Là, tu sors la dague. La pyramide permet de voir les époques. Mais seuls certains élus peuvent activer ce pouvoir. Comme Deimos et ceux de ta lignée.
Mais toi aussi, tu as vu... J'ignore comment ou pourquoi, mais elle m'a montré quelque chose. Qu'est-ce que c'était ? Toi. Mon trou du cul. Dans cette vision, tu détruisais... Elle m'a montré mon anus. Et tu anéantissais le culte. Mais c'est quoi ? C'est ton anus. Après le culte ? Mais pourquoi tu montres ça ? Nous serons remplacés par un autre type d'ordre. Je sais pas. Nous vivrons sous le règne d'un roi philosophe. La société s'éloignera des anciens dieux pour privilégier la raison. Au sein d'un royaume fait par le peuple et pour le peuple. Je dois trouver quelqu'un capable de le guider. Mais je n'ai pas pu y parvenir en raison du caractère chaotique du culte. Alors, j'ai laissé le culte de Cosmos réaliser ses projets, s'enfoncer dans l'impasse et y mourir. Elle m'a montré le futur de mon cul. Périclès le savait ? Je tenais à le protéger, alors je n'ai rien dit. Cela aurait risqué de l'influencer. Mais il n'aurait jamais dû mourir, voilà la vérité. Il valait mieux que qu'il n'en sache rien. Tu as trahi sa confiance. Ouais, je me dis ça. Tu as fait des choix contestables. Mais celui-là était justifié, je crois. Tu le connaissais. Il s'inquiétait sans cesse de l'état du monde grec. Si je lui avais tout dit, ça l'aurait tué. Bon. Et maintenant ? Maintenant, le changement. Une nouvelle république unie. Ça va, c'est pas... Je donnerai vie à ce rêve. Il reste pour l'instant un rêve totalement irréaliste. Oublie ce que tu sais et imagine. Oublie la démocratie. Plus de rouge ni de bleu, mais un peuple uni pour le bien commun. C'est de la folie. Ça ne marchera pas, Aspasia. Ça n'a jamais pu. Non, ce n'est pas fou, c'est éclairé. Lorsqu'Athènes aura vent de tout cela, elle comprendra que c'est là son idéal. Tout comme le tien. Ça, j'en doute. Tu as passé ta vie à penser par toi-même. Laisse-toi aller. Pour ce que je prépare, tu vas devoir me faire confiance. Viens avec moi. Cet avenir n'est pas un rêve. Je suis là pour te tuer. Attends, mais ça veut dire que soit je peux... Il y a deux fins possibles. Soit je la bute. Soit je vais avec elle et on fait... Je vais la tuer. Mais c'est qui déjà, elle ? Je veux dire, est-ce qu'elle est proche de moi ou c'est juste une personne que... Oh, allez, je la bute. Je ne peux pas te laisser faire. Tu as déjà causé trop de dégâts, tu as détruit le monde grec. Alors tu ne comprends vraiment rien à nos actions. Je me suis trompée sur ton compte. Moi aussi. Allez, oh, oui, laisse-moi dégainer, merde. Ah mais ça y est. Ah moi je crois que ça aurait été plus chevaleresque. Il reste beaucoup à faire, mon enfant. Mérite, c'est sa mère, on est d'accord. Cassandra, Cassandra. Un orage approche. Je ne crains pas les orages. Et voilà. Triompher de tous les adeptes de Cosmos. Et ben voilà. Ah si, maintenant je m'en souviens que je l'avais terminé. Alors je me suis souvenu que je l'avais terminé, mais je sais plus pourquoi. Enfin comment, enfin bref. On a juste voulu tuer le plus gros innocent possible et détruire le monde. Ça va. Bon ben voilà. Objet de quête. Quête terminée. Bon ben pour moi c'est bon. Hein. L'histoire principale dans sa globalité, je l'ai terminé, là. Moi, je dis que je l'ai terminé. Du coup, je pense que... Je vais aller voir si je peux pas me prendre... Merde. Le petit... Assassin's Creed Valhalla, maintenant, là. Freedom! C'était pas dans un film avec... l'autre taré, là, qui a fait La Passion du Christ. Je sais plus comment il s'appelle. C'était... Là, il se faisait éventrer. Il se faisait éventrer à la fin, comme ça, et il criait « Braveheart, voilà, Braveheart !» Putain, je m'en souviens, je l'avais vu, j'étais gamin, ça m'avait choqué à l'époque. Ah, ça s'éventrait de partout, comme ça. Ça s'éventrait de partout, et il y avait du sang, et à la fin, on lui ouvre les... Et moi, je disais, mais ils lui font quoi, là-bas? Ils lui ouvrent le ventre. Hein? Je sais plus quel âge j'avais peut-être, ouais, 10-12 ans, un truc comme ça. Ah bon? Mais pourquoi?
La passion du Christ, c'était un peu vénère aussi, ouais. Ça aussi, c'était... Mais je l'ai moins aimé parce qu'il l'avait fait en la langue de l'époque, là. Donc, l'araméen ou je sais plus trop quoi. Et très chiant, les sous-titres, chiant. Bouge pas, je vais aller voir ça. Alors, je vais sur Instant Gaming, déjà. Instant Gaming, fais voir. Ouais, je me prends toujours les jeux là-dessus, ils sont toujours moins chers. Bien que sur Steam, il est pas très cher, le Valhalla, je crois, il est à 15 euros, un truc comme ça. Assassin's Creed. Tiens, il est à 9,40 là. Mais du coup, ce sera sur Ubisoft Connect. Alors, je vais aller chercher. De quoi ? Alors, bien sûr, hein, attends, je vais mettre la traduction parce qu'en anglais c'est un peu chiant. Ajouter au panier, très bien, payé. Merde, attends, fais voir. Il y avait quoi sinon? Il y avait le Deluxe. Ah, mais le Deluxe, il est en rupture de stock. Sinon, ouais, non, c'est bon, on va prendre celui de base. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que c'est recommandé? Ah, mais c'est recommandé. D'accord. Ah, il y a les DLC aussi que je pourrais acheter séparément si je veux. D'accord. Prix officiel, rabais. Oulala, ouais, il a 9,40. Allez au paiement. Alors, bouge pas. Faut que je rentre. Tiens, je dis à haute voix le code de ma CB. Tiens, ça pourrait être pas mal. Alors. On va voir si ça marche. Hein. Et ben, si ça marche pas, et ben, je continuerai Assassin's Creed Odyssey jusqu'à que je reçoive ma nouvelle CB, quoi. Normalement, je dirais, moi, ça marche. Normalement, attends, bouge pas. Parce que j'ai payé mes tickets de bus cet après-midi. Merde, qu'est-ce qu'il me fait, là? Attends, et hop. Là, je vérifie quand même, parce que si je partage le... Si je partage le... l'écran, là, c'est foutu. Si je partage l'écran, c'est foutu. Alors, est-ce que ça marche? Croise les doigts, on touche du bois. Inch'Allah. Alors, fais voir ça. Rediriger. Ah, paiement rejeté. Bah, ça marche pas. Ouais, ça marche pas parce que, bah, finalement, elle a été... Mais je comprends pas ce qu'ils font parce que j'ai plus... Ah, putain, mais je sais pas ce qu'ils font, hein, chez... Bon. Bah du coup, je vais pas pouvoir me prendre Valhalla, tant pis. Il va falloir que j'attende la semaine, peut-être lundi ou mardi. Bon bah, fin de la chaîne, voilà. Voilà, c'est fini. J'arrête Twitch. Non, je vais faire Assassin's Creed Origins. Autant continuer là-dessus. Bon bah, le Odyssey, je vais le désinstaller. Ah, parce que 166 heures, je dois être à 170 peut-être même. Désinstaller, ça va me faire beaucoup de place. Et bah, on va continuer le petit Origins. Par contre, il va falloir que je change les trucs, les termes du contrat. Non, que le titre, que je marque comme quoi je vais streamer Assassin's Creed Origins.